Bonjour. Je me nomme Madame Bonazivi Dudrine, je suis professeure de lycée. Notre cours d'aujourd'hui, c'est la suite du cours de cycle de vitesse qu'on a eu la fois dernière. Nous avons évoqué la course de vitesse, nous avons défini certains concepts, la course, la vitesse et la course de vitesse proprement dite. Et ensuite, nous avons vu le but de la course de vitesse. Nous avons terminé le cours de la fois dernière avec le règlement. Et aujourd'hui, nous allons voir les caractéristiques d'une course de vitesse. Qu'est-ce qui caractérise la piste en elle-même? Sur ce, nous nous lançons directement dans le travail. Deux. Caractéristiques d'une piste. Caractéristiques d'une piste de course de vitesse. Qu'est-ce qu'on appelle caractéristique d'une piste de course de vitesse? Ou définissons d'abord ce qu'on appelle la piste. La piste est un terrain plat dont la longueur mesure 60 mètres et 1,22 m de large. Elle est composée de couloirs séparés par des lignes de 5 cm de large. Nous allons mettre tout ça au tableau. Voilà l'une des caractéristiques de la piste. Nous disons que c'est un terrain plat. C'est un terrain plat dont la longueur mesure 60 mètres et 1,22 m. Voilà, 1,22 m de large. Elle est composée, point, elle est composée, je disais tantôt, de couloirs séparés, de couloirs séparés par des lignes, des couloirs séparés par des lignes de 5 cm de large. De 5 cm de large. Point. Ensuite, nous avons le grand 2, 3, ordre de départ. Grand 2, 3, ordre de départ. Ordre de départ. Mais avant de passer par là, la longueur mesure 60 mètres, c'est vrai, mais n'oublions pas que c'est une course de vitesse en classe de terminale. Donc, 60 mètres, oui, et 100 mètres. Voilà, j'ai omis cela, 60 mètres ou 100 mètres, voilà. Nous disons, et 1,22 m de large. Ensuite, nous avons l'ordre de départ. Au niveau de l'ordre de départ, le départ est donné à l'aide d'un claquoir ou un pistolet caractérisé par deux commandements dictés par le starter. À vos marques, prêt. Voilà l'ordre des commandements. Nous écrivons tout ça au tableau. L'ordre de départ, voilà. Nous avons l'astérix. Ordre de départ.
Le départ est donné. Le départ est donné à l'aide d'un claquoir. À l'aide d'un claquoir ou d'un pistolet. Ou d'un pistolet caractérisé par deux commandements dictés. Deux commandements dictés par le starter. On vous expliquera après ce que veut dire le starter. À vos marques. Voilà le premier commandement. Et ensuite, prêt. Voilà. Ça, c'est un P. Prêt. On efface pour mieux écrire, afin que vous puissiez bien lire. Prêt. Bon, on remonte. Quand on dit que le départ est donné à l'aide d'un claquoir ou d'un pistolet, le départ est donné à l'aide d'un claquoir ou d'un pistolet de commandement, c'est tout simplement parce que au niveau de l'école, on utilise le claquoir. Mais au niveau international, dans les grandes compétitions, c'est un pistolet. Nous passons. Les commandements sont à vos marques, prêts. N'oubliez pas, c'est un nota bene, que le T n'est que le signal qui produit soit le claquoir, soit le pistolet. Faites excessivement attention. Les commandements sont à vos marques et prêts. Mais le T n'est que le signal émis. On écrit tout ça. T, le son émis par le claquoir ou le pistolet. Ou le pistolet. Et donc, on dira ceci, pour toutes les courses, c'est un ajout, pour toutes les courses de vitesse, le départ est quadrupédique. Le départ est quadrupédique. Je reviens ici. Le T n'est pas un commandement, mais c'est le son émis par le claquoir ou par le pistolet. Pour toutes les courses de vitesse, le départ est quadrupédique, c'est-à-dire les quatre appuis au sol. Merci. Nous passons le rôle des officiels. Vous avez, j'ai dit tantôt tout à l'heure que je vous expliquerai ce que veut dire starter. Et donc, nous allons voir le rôle des officiels. 2-4. Le rôle des officiels. Le rôle des officiels. Rôle des officiels. Au niveau des rôles des officiels, nous avons un starter, celui qui donne le départ, un juge d'appel. Il est chargé de vérifier les noms des élèves inscrits sur la liste. Le chronométreur, c'est celui qui prélève le temps. Le secrétaire, c'est celui qui relève les performances. Les juges arbitres, ils veillent sur le changement de couloir. Et quand on parle des changements de couloir, c'est quand un élève qui était dans le couloir 3 peut se retrouver dans le couloir 4. Nous avons les juges à l'arrivée. Ils veillent sur l'arrivée des élèves ou des athlètes. Maintenant, nous allons tout mettre au tableau afin que vous puissiez lire. Donc, nous avons un starter.
un starter, 2 points. Il donne le départ. Point virgule. Un juge d'appel. 2 points. Il est chargé de vérifier. Il est chargé de vérifier les noms des élèves inscrits. Des élèves inscrits. Des élèves inscrits sur la liste. Ensuite, nous avons un chronométreur. Un chronométreur. Il prélève le temps. Ensuite, nous avons un secrétaire. Le secrétaire, il relève les performances. Ensuite, nous avons les juges-arbitres. Les juges-arbitres. 2 points. Ils veillent sur le changement du couloir. Sur le changement du couloir. Ensuite, nous avons secrétaire, juge, arbitre. Voilà, nous continuons. Nous avons les juges à l'arrivée. À ne pas confondre entre juge, arbitre et juge à l'arrivée. Les juges à l'arrivée. Voilà. Un chronométreur. Un juge d'appel et un starter. Donc, nous continuons. Nous avons dit tout à l'heure que les juges à l'arrivée, ils veillent sur l'arrivée. Sur l'arrivée des élèves. Voilà. Je pense que... Voilà. À partir de là, vous avez le rôle de chaque officiel sur la piste de 100 mètres. Maintenant, nous allons apporter un éclaircissement entre un faux départ et un mauvais départ. Ce que ça veut dire. N'oubliez pas, c'est les mêmes mots, mais ça a une différence... vraiment assez légère. Donc, le faux départ, c'est quand l'élève démarre sa course avant le signal de départ. Ça, c'est le faux départ. Donc, le starter n'a pas encore donné son top et voilà que l'élève est parti. Ça, c'est un faux départ. Mais le mauvais départ, c'est quand l'élève réagit avec un retard après le signal du starter. On va mettre ça au tableau. Comme ça, on nous laisse quelques petites minutes. Le temps que l'on efface ici, afin qu'on mette au tableau ce que vous avez vu. Merci. Voilà, on continue là. Voilà. Et maintenant qu'on a su mettre un peu de propriété sur notre tableau,
on va mettre la différence qui existe entre le faux départ et le... voilà. Là, j'ai sauté. Voilà. Bon. Qu'est-ce qu'on entend par faux départ? Faux départ. J'ai dit tantôt que le faux départ, c'est quand l'élève démarre sa course de points. C'est quand l'élève démarre sa course, avant le signal, Et quel signal? Le signal du starter. Voilà. Et le mauvais départ? Je l'ai dit tantôt, c'est quand l'élève, réagit avec un retard, après le signal du départ. Voilà. Je pense que là, c'est plus clair maintenant. Après ce point, nous passons au niveau de la disqualification. 2-5. Disqualification. Pourquoi parle-t-on de la disqualification au 100 mètres? Ou comment? À quel moment? On parle d'une disqualification au cours d'une course de vitesse quand un élève a fait un faux départ, il écope d'un carton jaune, mais quand il quitte volontairement son couloir également, là, il écope d'une faute, ou lorsque l'athlète fait abstraction, donc il vient pour gêner celui qui est à côté, on va pas parler de l'athlète, mais de l'élève, il vient pour gêner celui qui court à côté de lui, donc l'autre élève. Ou bien il quitte volontairement la piste. Là également, il est disqualifié. Nous allons mettre tout ça au tableau. Mais avant de mettre tout ça là au tableau, on va essayer d'effacer de ce côté-ci. Comme ça, on va être un peu plus rapide. D'accord. Mais bon, on met un peu plus de... Voilà. OK. Disqualification, on a dit de 5, disqualification. Voilà. Au cours d'une course de vitesse, un élève peut être disqualifié. L'élève peut être disqualifié. Lorsqu'il réalise, deux faux départs. Voilà. Il réalise deux faux départs. D'abord les lettres, ensuite les chiffres. Deux faux départs. C'est-à-dire un faux départ pour tous les athlètes et comme un carton jaune. Maintenant, pour une course en couloir, donc pour tirer,
une course en couloir, il quitte volontiers ou volontairement sa course, point virgule, lorsque l'athlète quitte librement, lorsque l'élève quitte volontairement la piste. Nous continuons ici. Lorsque l'élève fait obstruction, voilà. Lorsque l'élève fait obstruction à la progression d'un autre. À la progression d'un autre élève. Voilà. Nous avons fini avec la disqualification. Maintenant, nous passons au grand 2-6, qui est les matériels utilisés. En athlétisme ou au 100 mètres, il y a des matériels qu'on utilise. Nous avons le claquoir, le sifflet, le chronomètre, les plots ou encore drapelés. Nous avons le décamètre ou le pentamètre et les starting blocks. Et donc, nous allons mettre ça au tableau afin que vous puissiez avoir une idée sur ce que l'on dit. Voilà. Grande 6, matériel à utiliser. Voilà. Matériel utilisé. Nous avons le claquoir, le sifflet, nous avons les drapelés, les drapelés ou plots. Ensuite, nous avons le décamètre ou pentamètre, et enfin nous avons les starting blocks. Mais au niveau scolaire, au niveau des élèves, ces startings-là ne sont pas vraiment utilisés ou il n'y en a pas suffisamment. Donc, nous vous avons mis au tableau les matériels utilisés. Lors d'une course de 100 mètres, lors d'un examen d'état de 100 mètres, nous utilisons, ou les professeurs, les enseignants utilisent ceci, le claquoir, le sifflet, les drapelés et les décamètres. Là, il n'y a pas trop de teneur sur ça. Ensuite, nous allons tracer un schéma illustratif d'une course de vitesse de 100 mètres. Comme ça, vous allez voir à peu près comment on le trace. Donc, on va essayer de tracer le schéma de cet schéma illustratif d'une piste. De 100 mètres. Voilà.
Où est-ce qu'on va effacer? On peut effacer au milieu, comme ça. On va écrire. Je reviens sur les matériels à utiliser. Je disais ceci. Le claquoir, le sifflet, les drapelets, le décamètre ou pentamètre. Ça, c'est vraiment le matériel que nous retrouvons continuellement dans nos lycées ou dans nos écoles. Mais les starting blocks interviennent plus pour ceux qui sont dans les clubs. Merci. Nous allons tracer notre schéma. Je disais tantôt, au niveau du schéma illustratif d'une piste de 100 mètres, j'ai schématisé un dessin au tableau qui montre ce que, apparemment, ou à peu près veut dire une piste de 100 mètres. Nous avons ici 5 couloirs, la ligne de départ, les couloirs proprement dites, et chaque couloir mesure 1,22 m. Et enfin, la ligne d'arrivée. Et n'oubliez pas une chose, les élèves se placent avant. Quand on les appelle, ils se rapprochent de la ligne de départ pour prendre leur départ. Et enfin, ils courent. Voilà le schéma. Maintenant, on va essayer, ou on va pas essayer, je vais vous poser 2 questions par rapport à la leçon de ce jour pour voir si et seulement si vous avez retenu les notions. Sur ce, nous passons à ce questionnaire qui comporte 2 questions. Questionnaire de compréhension. Cite les commandements auxquels doit obéir un candidat à la course de 100 mètres. Première question. Quelle est la différence qui existe entre faux départ et mauvais départ? La balle est de votre camp. Je vous écoute. Je disais tantôt, au niveau de la première question, merci, les commandements auxquels doit obéir un candidat à la course de 100 mètres sont à vos marques et prêts. N'oubliez pas, le T n'est que le son émis par le claquoir ou le pistolet. Donc, on dit à vos marques, prêts, voilà les 2 commandements auxquels un candidat doit obéir. Ensuite, vient le signal sonore qui est le T. Nous mettons cela au tableau. Première question, à vos marques, prêt, voilà les commandements, et le T n'est que le signal. Voilà, je mets entre parenthèses, signal. Ensuite, la deuxième question, quelle est la différence qui existe entre le faux départ et le mauvais départ? Je l'ai dit tantôt, ça peut vous embrouiller, faux et mauvais. Et pourtant, c'est 2 choses différentes. Le faux départ, c'est quand le starter, qui est au départ, n'a pas encore donné son signal et que l'élève parte. Ça, c'est un faux départ. Mais le mauvais départ, c'est quand le starter a déjà donné le départ et que l'élève ou le candidat est parti bien après le signal du starter. Voilà la différence qui existe entre mauvais départ et faux départ. Faites la nuance et faites très excessivement attention. Sur ce, notre cours sur la course de vitesse vient de prendre fin. Merci beaucoup. Je vous remercie.